Donc là, en fait, vu qu'on démarre la partie tous ensemble, chacun gère son perso. Donc au début, malheureusement, on n'a pas toutes les classes. Donc tu as forgeron, donc le mec, c'est le gros bourrin à deux mains ou le tank, son merdeau. Tu as le chasseur, donc lui, c'est un DPS à distance. Qui peut se battre à l'arc et au fusil. Qui est aussi excellent pour faire les embuscades. Ouais. Ensuite, tu as l'érudit, L'érudit, donc c'est c'est le un mage magot. blanc. Non, c'est le mage. En fait, Ouais. la magie dépendra de l'objet que tu auras équipé. D'accord. L'herboriste, il est bloqué. Trappeuse bloquée. Et après, tu as le ménestrel. Vous vous doutez bien quel perso je vais Ouais. prendre, évidemment. Oui, bah je vais partir sur un chasseur, écoute. La distance, ça me Donc paraît on bien. aurait. Parce qu'après, en fait, t'as des G après 2D, entre guillemets, à faire selon des stats. Donc toi, c'est l'adresse. Moi, c'en est une autre, je crois. Enfin, formation. Ouais. Moi, c'est l'intel et la vue. Non, pas l'intel et la vue. C'est la dextérité, la vue et l'intel. Dans cet ordre-là. Vous appuyez sur Y hein, si vous voulez avoir l'information sur la classe pour le coup. J'ai fini. Mais qu'il a déjà fait. C'est dommage. Alors, discrétion, esquive des pièges, bonus d'énergie, tir en osse. Arc, RBR. Ouais, ça passe. Voilà, c'est que là je peux pas régler le son, il faut que je le fasse avant comme un couillon. En gros, le ménestrel, moi je vais plus buffer et attaquer. Même si l'attaque ne sera pas mon fort. On va encore se retrouver avec Atrio, Bard, Viro et C'est ça. Guerrier. C'est bien, toujours pas cool. Ah, mais il a pas fait. Ça date Twitter. Prends ce barbe vert. C'est la barbe kaki. Le barbe blanc. De la chauvité. Ah, c'est que là, niveau coupe de cheveux, ouais. Pourquoi j'ai un chauve là? Là, je peux pas gérer ma coupe de cheveux. Bah, tant pis, je vais mettre un casque. Non, moi j'ai arrêté le tout à fait, je m'occupe de mon perso. Bon, Ok. le groupe est sur invite. Bon, bah, moi je suis prêt. Alors, quoi, les classes, comment je Cette peux les mettre? tenue. Faut que tu ailles sur la classe, t'appuies sur Et A. comme ça. C'est A pour changer. Non, c'est gâchette. Ah, ok. C'est la gâchette de droite. Ah, ok, Forge, tu peux le faire aussi comme ça. Chasseur, ménestrel, érudit. Enfin, je rentre, c'est quoi, c'est guerrier? Forgeron, c'est Ouais. guerrier ou tank. En fait, c'est soit tu prends à deux mains ou à une main sur ce que tu auras. Toutes tes chasseurs, ça m'étonne pas. Toi, érudit, ça m'étonne pas. Non. Pas érudit. Ménestrel. Ah, oh, Il putain! prend ménestrel. Tu me l'as changé. Il refait un barbe. Oh, Au oui, pire, quelqu'un qui garde le m'attaque. chapeau. C'est pas ça. Bah oui, garde le chapeau. Je Ouais. voulais pas un chauve. Il est chauve, mais bon, on a un cache-misère. Alors, comment régler sous le prêt? C'est le cache-misère quand il est. T'appuies Tu sur descends prêt, et t'appuies sur prêt. personnalisé. Ah, homme, femme, on peut changer. Ok. Ah, le homme, il fait bien barbu. Une femme et deux barbus. On dirait le début d'un mauvais film porno. C'est ça. Est-ce que tu vois Et sur encore, HPCL? t'imagines si les. Au lieu d'avoir deux barbures, on aurait eu deux blacks. Là, ça aurait Non, t'es été un mauvais dégueulasse. gangbang. Alors, il y a plusieurs scénarios. Là, je vous ai mis scénario de base qui est For the King. Donc, du coup, c'est le roi. On doit faire une quête pour le roi. Alors, par contre, attendez juste. Il faut que j'aille dans audio. Ah putain, ils auraient pu faire plus vite. Là, ça avait pour réglage. Désolé, du coup, je peux pas aller plus vite. Le roi n'attend pas. Il attendra les réglages.
Alors, retour. Alors, la reine de Farule. Attention, où est le MJ? S'il vous plaît, MJ. D'abord, c'est le sorcier Vexor qui disparaît, puis on assassine mon mari dans son propre palais. C'est le dernier espoir de Farule. Ouh. Cherchez Hildebrand dans Bois-Tuyer. Oh putain, les noms. Ça sent la traduction Google, ceci. On vous informera de la meilleure manière de vous aider. Votre quête commence, lutter contre le chaos avant qu'il n'embrase notre royaume. Objectif de quête, aller à Bois-Tuyer dans la forêt sentinelle. Chris, il faudra le doublage de la femme. Alors, là, ce qui se passe, c'est que là, c'est à mon tour de jouer. Donc là, t'as un tour, on va dire que c'est un jet de dés que t'as. Sachant que chaque personnage, pareil, en fonction de son équipement ou autre, peut aller plus ou moins loin. Ouais. D'accord, ouais. Alors ça, c'est la première phase, c'est la phase de déplacement. Et attendez, je vais changer de manette parce que là, j'ai stick qui déconne sur celle-là, j'ai oublié. Je reviens. Deux secondes. Je vois, j'ai 3 d'armure physique, 1 de magique, 9 de je sais pas quoi. J'ai mes PV. Ouais. Parce que là, messieurs... Ouais, je vois les... Il va falloir coopérer dans ce jeu. Et quoi? Oui, savoir où est-ce qu'on va. Voilà. Donc là, le but, ce qui va se passer, c'est que... Après, je peux vous expliquer aussi le combat un peu. Donc limite, ce qu'on va faire, c'est on va se positionner près... je vais me mettre là plutôt. Voilà. Par contre, je vais attendre que vous venez. Donc pour ma part, j'ai fini mon tour. Donc le dernier qui va jouer, ça va être Sega. Va falloir qu'il attaque le truc à ma droite, là, l'espèce d'homme singe là. Parce que après, quand tu verras sur l'écran, en fait, on aura une zone rouge autour. C'est-à-dire tout ce qu'il y a autour, allié comme ennemi, ça va interagir. Comme là, par exemple, si on attaque le pyramide bête, on va choper aussi le corbeau. Mais c'est du niveau 0, donc on s'en fout. Donc moi, j'ai fini mon tour. Ouais. Oh merde, il y a un loup. Oui, les monstres pop. Hein. Ouais, ouais. D'accord. Okay. Voilà. Donc soit tu te mets à côté de moi, ou à ma droite ou à ma gauche, au choix. Ah, je peux pas me mettre sur toi? Mais aussi, tu peux te mettre sur moi, je suis con, si tu peux. Vas-y, viens pour moi. Tu fais back pour mettre fin de tour, si tu veux. Ok. Ouais, normalement, Cycle doit avoir assez de points pour attaquer. Oh. Gros 4, ça suffit. Donc là, en gros, tu vas avec le stick et tu vas sur l'homme bête. Comme si on allait attaquer, on va parler déjà des phases de combat parce que ça va être très important. Voilà. Après, tu peux combattre, embuscade, discrétion, partir. Alors, combattre, t'enclenches directement le combat. Embuscade, ça aurait été moi ou... Ou tout, on aurait pu tenter parce que ça réclame des dés de vision. Et moi et tout, normalement, on a des bons jets par rapport à toi. Parce que toi, tu as des bons jets de force, par exemple. Ouais, comme regard et discrétion, ça aurait pu c'était tout, j'imagine. Oui, voilà. Ouais, voilà, par exemple, tu vois. Donc en fait. Grosso merdo, le combat, ça se joue en tour par tour, notamment si tu regardes en haut tout, l'ordre d'action, ça fait un peu penser à FF10, à ce niveau-là. Ouais, ouais. Sachant que on a des compétences qu'on peut influencer avec de la concentration. La concentration, c'est les points jaunes que vous avez au-dessus de votre portrait. Aïe. Ok. Putain de pieuvre, bâtard. Je vais te mettre du métal dans la gueule, quoi. C'est ça, ouais. Voilà, admettons, j'appuie sur... Rammstein. Voilà. Si j'appuie sur X, ça marquait « Utilise concentration », c'est-à-dire que j'ai mon premier jet qui est obligatoirement réussi. Ce qui fait que je passe de 83% à 93% pour faire un full réussite, parce qu'après, plus vous faites de jets, mieux vous réussissez votre attaque, sachant que en général vous faites 0 ou 1 dé, en gros votre attaque c'est de la merde quoi. C'est pour ça que c'est très important les points de concentration. Bon là c'est le début hein, donc c'est pas super important, mais donc moi je peux faire confusion et leur mettre du sol dans la gueule. Alors par contre voilà, je veux changer la cible, c'est la gâchette hein, du coup hein,
Une gâchette, c'est pour changer de cible. T'as tapé l'homme bête. Bon, bah, okay. Je vais faire de même. Oh, mais non, le mono PV. Non. Parce que, ouais, ça commence, allez. Parce qu'attention, le soin dans ce jeu est très très compliqué au début parce que ce n'est que des objets. Il n'y a pas de vrai healer. Ouais. Pour le moment. Je peux quitter le combat, je peux provoquer. Ok. Je peux fracasser, taper. Onde de choc. Dégâts de zone, d'accord. Vise de piaf. Bah non, tu fais des dégâts de zone. Bah ouais, au pire, ouais. Parce que vu que le. De toute façon, c'est un mode attaqué juste après, donc je vais pourrir l'homme bête. Ah, il va utiliser de la concentration. Cet homme est très con. Il va tuer tous. Eh, faites gaffe, la concentration, tu la récupères pas comme ça. Ah, ouais, je ne savais rien. La concentration, c'est vous récupérez uniquement lors d'événements bénéfiques. Ah, bon. Oh, en plus, oh putain, oh le buff. Le buff. Respect. Donc alors, on a fouillé les cadavres, donc il y a de l'or. Je sais pas si ça passe là, attends, parce que... Ah, un bonnet d'érudit. C'est plus pour moi, normalement ce serait un peu plus pour un érudit, mais bon. C'est pour toi. Ouais. Agilité, ça aurait été tout. Voilà. Ça, c'est les barbes... Pour récupérer des PV. Voilà, ça c'est les plans qui vont servir à récupérer des PV, donc c'est tout ce qu'il a eu. Voilà. Donc là maintenant tu fais un tour, voilà par exemple. Fin de tour. Okay, c'est back. Donc là c'est à moi de jouer. Alors j'ai 5. Alors bon c'est le début hein, donc on y va doucement. Alors pourquoi il repère pas? Attends c'est quoi ce beans? Pourquoi je peux pas bouger? J'ai 5 points de mouvement. Attends, là, ma manette... Est-ce que tu n'as pas fait ton jeu d'éloquence? Non, mon... T'es enfoiré. Ma manette n'est plus reconnue dans le jeu. What the fuck? Oh, ça commence fort. Cet homme, t'as que des problèmes techniques. Bah non, mais c'est chaud. Parce que le bouton Xbox... Enlève ta manette de PlayStation, c'est pas la bonne console. Ah, c'est bon. C'est bon. Ouais, je sais pas pourquoi il m'a bugué. Alors, sachant qu'on peut utiliser plus de points, je crois que ça pique de la concentration, je crois. Si j'ai pas de conneries. Donc j'avais 5 points de mouvement. Donc ouais. 0. Bon, du coup je me fous là moi. Ah, attends. Objet trouvé. Un sentiment succinct approche votre regard dans les hautes herbes. Quelqu'un pourrait y avoir perdu quelque chose de précieux. J'ai 73% de chance donc je vais tenter. Oh putain, cette blague! Du coup je passe mon tour. Oh non, bande d'enculés! Putain d'herbe quoi! Du coup, par contre, si le. Admettons que le loup il t'attaque. Admettons que le loup il va sur toi, il t'attaque. Vous viendrez m'aider. Il faut qu'on soit à portée. Voilà. C'est deux cases de portée. Automatiquement. Deux cases, d'accord, c'est ce que j'avais demandé. Ouais, c'est ce que j'avais demandé. Oh, je donne de l'XP avec l'aspiration, moi. Oh putain, je suis fort. Oh, c'est pété. Ouais. C'est pété le ménestrel. Alors par contre, au bout d'un moment, on va être un peu pressé par le temps parce qu'il y aura tout un concept de fléau qui va s'installer. Ouais. Et en fait, il va falloir qu'on avance dans la quête principale parce qu'au bout d'un moment, les zones vont être de plus en plus dangereuses. Tu peux aller jusqu'au 0. En fait, faut faire attention au compteur de mouvement. Faut pas aller jusqu'à, tu peux aller jusqu'au 0. Ouais, ouais. J'étais en train de calculer savoir est-ce que par contre est-ce que Saga va réussir à me rejoindre. Faut qu'il ait au moins deux mouvements quoi. Ouais bon on peut rester groupé pour le moment. Au début ça va. Hein. Sachant qu'après, pareil, si on veut échanger les objets ou quoi, faudra aller sur Y et il faut qu'on soit à portée si on veut faire des échanges. Là admettons. Ouais. Tour passé, trouver des objets. Quoi? What the fuck? Bah oui, t'as eu un debuff sur ton dernier truc là. Oh bah au gros tout, tu vas être le premier arrivé là-bas, en fait. Ok. Bah au pire, va chercher la quête. Ou valider la quête. Faut que t'ailles à bois de tuyaux. Ouais, vas-y, je te couvrirai. Ah, je peux pas y aller, j'ai pas assez de portée.
Vous avez trouvé la potence. La potence. Soyez les bourreaux. Battez le fléau avant qu'il ne s'éveille dans la chronologie ou préparez-vous à en subir les conséquences. Tu peux passer au-dessus ou pas? Lorsqu'un repère est actif, les joueurs sont tentés par des esprits. Ouais, il m'a l'air. Ou par contre, t'as un gobelin. Ouais, tu gardes tous. Ou quoique, t'as une vieille aussi. Oh, ce boost d'énergie. Dieu, c'est dangereux, les vieilles. Je vais même voir de nouvelles têtes rejoindre la quête. Je suis Hildebrandt, l'agent de la reine en charge de diriger la forêt sentinelle. Ça ne va pas par ici, pas du tout. Pas du tout. Tout indique qu'une personne ignoble s'est fait enfermer dans les mines satillantes. D'accord. Donc ça, c'est... Je vous ferai descendre. En attendant, un engin étrange a été repéré. Allez enquêter. Ouais. Et ces furieux en jolie robe se sont bien installés. Préparons-nous pour la castagne. Ok, alors... Le problème, c'est que là, pour les boss, il vaut mieux qu'on soit regroupé. Mais l'objet à... qui nous a indiqué en premier, c'est qu'il faut qu'on fasse des jets d'inspection. Donc ça, je le ferai. J'ai plus de chance. Ou alors, faut que ces gars crament tous ces points de concentration éventuellement. Mais je le conseille pas. Parce que là, du coup, tu peux pas faire grand-chose. Hein. Je sais pas si tu peux éventuellement trop. Je peux juste aller jusque là maximum. Bah, ça ne sert pas à grand chose parce que nos deux objectifs sont juste à côté de nous en fait. Bah ouais, va inspecter le truc à droite. C'est une de, putain, un des ouais, trucs c'est de quête. Bah le problème c'est qu'il faut je des jets de... Les commandants. Ah, on sera qu'à deux aussi. Hein. Et il y aura le loup qui va aider aussi. Côté, ouais. Ouais, non bah attendez, je vous rejoins. En plus c'est un boss apparemment. C'est ça. Pour l'XP. Ah voilà, il peut tenter... Résultat appareil de cul, ce mécanisme étrange, je vous dirai qui est. Oh ce bol. Oh lolo ce mec. Oh cet homme. Choisir, moins un KO, plus A de vie. Tape sur la vie. On n'a pas encore de truc de KO quoi. Parce que voilà, pour vous expliquer, on a 3, 6, 7 vies. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. On peut. La raise elle est simple dans le jeu là. T'es par terre, on peut se lever. Mais ça va cramer une vie. Ok. Je laisse faire ton doublage tout. Allez, beau travail. Ils y penseront à deux fois la prochaine fois avant de jeter leur cochonnerie dans ma forêt. Oh oh oh. J'ai un. Du coup, par contre, moi je suis dans la merde. Je t'ai rabougé. Voilà, je t'ai rejoint. Ça c'est ton merde. Ouais. Parce que là, si on attaque. Alors j'ai 4 points, ok. Ah, ça me refait la même. Non, tu peux bouger là. Non, non, mais regarde la manette, elle me fait chier. Ah, mais je crois que t'avais pas de points pour bouger. Non, regarde, alors je sais pas s'il va me faire ça à tous les tours, mais c'est casse-couille. Voilà, tu vois, il remarche là. Parce que là, effectivement, là, le campement du chaos, là, il y a le loup qui attaque derrière. Bah je regarde, attends, qu'est-ce que j'ai éventuellement. Ouais, j'ai pas grand-chose à donner, quoi. Après, tu peux trier. Regarde, système d'inventaire est vachement sympa. Et en haut, du coup, en haut, vous voyez vos stats aussi. Bah, je vais me mettre... attends, et si je reste là... Ouais, je vais me mettre là. Et... Je fais fin de tour. Attends, je peux convertir de la concentration. Voilà. Parce qu'après dans les villages plus tard, après éventuellement, on aura des quêtes annexes. Au début là c'est un peu guidé, parce que tu es au plus en premier scénario. Mmh. Alors c'est con, t'es un peu loin. Ouais, je serais pas à portée pour les mecs du chaos. Bon, prochain tour, hein. Au pire, tout le monde passe. Comme ça, je me rapproche et je prends l'aggro moi-même.
te faut juste deux déplacements et c'est les deux que t'as de base. Ouais, on aura après, on va essayer de taper. Après, il y a pas mal de petits trucs annexes, il y a des points d'interrogation qui se promènent aussi, ça c'est des événements aléatoires. Ah, mais il est un peu loin, j'ai posé. Éventuellement, c'est parce qu'après je peux pas aller en ville voir les quêtes. Ah, tu vois, la manette elle me refait déconner, je sais pas pourquoi. Il me détecte pas à chaque fois que je fais mon tour. C'est pète couille. Je sais pas pourquoi. Je vais essayer quelque chose. Pour plus tard, forcément. Bah, j'ai rien à vous balancer, donc moi je vais juste mettre là, éventuellement. Pour dire qu'on parte à droite au cas où. Hop, attendez, j'arrive. Je vais juste essayer quelque chose. Test, test. Ce serait bien la première fois que ça m'arrête de faire ça, putain. Excusez-moi. Hop. Ah non, ça marche pas. Bon bah laisse tomber. Ah, Yamette elle est perdue. Ah putain, je vais casser le truc. Il casse tout. Ah ok, normalement normalement moi vu que j'ai un arc et je peux vous rejoindre depuis une case en plus si vous engagez le combat. Ah donc c'était bon. Ouais. Regardez. Je vais tester. Ah, bizarrement c'était pas dedans. Et en fait, ces Streamlabs, ils ont rajouté une option, en fait, je sais pas, ils ont mis un raccourci, tu matchais le stick. C'est encore à moi, là, ou pas? Oui, t'as pas passé ton tour. Eh, mais je pétais un plan avec la manette, là, attendez. Oh, là, putain, c'est pas vrai. Non mais c'est pas possible. Je te jure le truc. Bah non regarde. J'ai beau appuyer là, il me détecte rien du tout là. Il me détecte quand je fais guide Xbox mais il me détecte pas dans le jeu. Tu peux pas lancer le jeu? Bah si je lance le jeu, le problème c'est qu'on perd tout hein. Tu peux pas faire rejoindre après, ça transfère pas l'hébergeur à quelqu'un. Attends, ouais, je vois ce que tu veux dire au final. Non, non. Eh, mais c'est fort, il détecte pas ma manette, quoi. C'est peut-être du fait que t'as changé en cours. Bah, j'ai resynchronisé pour toi. Tu sais, tu peux faire sauvegarder et quitter. Tu sauvegardes et quittes, et on commence à sauvegarder. Ah non mais là il détecte plus rien. C'est quoi ce beans? Ah je peux même pas faire quitter sauvegarder, je peux pas faire start. Hey. Ah change de manette, faut-on faire ça? Torture. Tant pis hein, on va faire un truc hérésique mais c'est pas grave. Seul l'autre peut sauvegarder la partie. Manette filière Star Wars, quoi, putain. Si. Non, bah
lancer le jeu. Alors, je sais pas comment je vais faire mon compte. Ah, ça, c'est génial. C'est la fête. Bon. Je vais quitter le jeu. Mais le problème, c'est que je sais pas s'il y a une sauvegarde automatique. Normalement, il y a un système de sauvegarde automatique. Bon. Je suis désolé, les gens, du coup. C'est pas comme si on avait 5 heures de jeu. Non, mais tu vois, c'est énervant parce que... Punaise. Déjà qu'on critique les portages, mais alors si en plus, ils sont buggés avec les non-reconnaissances de masque, en plus, vous avez pas le cas, vous. Non. Il n'y a pas de match système. C'est pas parce qu'on n'a pas le tour que... Je vais essayer quelque chose au pire. Attends, paramètres. Du coup, désolé les gens. Mise à jour et téléchargement. Non. Kinect et appareil. Des fois que la manette elle serait pas à jour. Salut Yanou. Comment vas-tu? Salut Yanou. Ah, Yanou. Non, pas de mise à jour, donc c'est bon. On retente, hein, du coup. Charge une partie. On est le 28. Ah, si, c'est bon, il va sauvegarder. Ouais, on va très bien. Vas-y, coop. On renvoie une invite. Ouais, faut que je réinvite, du coup. Tu veux pas que ce soit nous qui sauvegarde au cas où? Non, mais c'est bon, j'ai une sauvegarde automatique. Ok. Donc, on va pas repartir sur un paramétrage de partie, ça devrait être bon. Bon, là, normalement, je devrais plus avoir de problème de manette vu que j'ai. Là, je suis en filaire. Je peux pas plus safe, hein. Par contre, on commence léger, hein, vous voyez bien. Paiement en savoir, bon, ça c'est pour débloquer les bonus. 60%. Ouais. Alors, le but du jeu. Alors, tout dépend le scénario, mais à la base, c'est un RPG. Donc, le but en fait, c'est qu'on a une quête directrice et on doit aller jusqu'au bout. Donc, dans le monde un peu Heroic Fantasy dans lequel nous sommes, il y a un principe de fléau et de chaos en fait qui va s'installer au fur et à mesure qu'on joue. Voilà, vous êtes tous là. Prêt. Et le but, c'est comme tous les RPG, on doit améliorer nos persos, faire des quêtes, améliorer notre équipement, apprendre des nouvelles compétences, etc. Alors, prends là où on était, c'est magnifique. Alors, tac, je me fous là. Essaye d'aggro directement le mob, normalement je devrais être apporté moi. Ah oui, t'as apporté, exact, bien vu. Eh bah bien. Parfait. Et pourquoi y'a Link? Non, y'a pas Link du tout. Je peux tenter une embuscade. Ah, embuscade. Si tu veux qu'un sur ma Link, normalement c'est. Bah, t'es pas érudit, t'es. Mestrel. Oh, je peux faire la voix. Il y en a d'autres comme vous. Si vous voulez, vous pouvez les rejoindre. Aïe aïe, ah mais non, mais t'as pas, putain, pourquoi moi? Pourquoi moi? J'ai qu'une gratte, bordel de merde. Il aime pas la musique. Oh, allez, c'est prolo, je vous jure. Ah non, mais en plus ça me fait saigner, mais putain, c'est pas possible. Ouh, alors attends, j'ai quoi moi? Confusion, dégâts physiques. Je peux essayer de mettre confusion sur. Sur lui, tiens. Haha! Une hike dans sa gueule. Hop! Ah, mais lol quoi! Mais putain, va te faire tuer dès le premier combat! Je vais me faire tuer dès le premier vrai combat quoi! Désolé, mais bon, je vais éviter que tu prennes des dégâts quoi. Bah ouais, parce qu'avec les saignements là, je vais être bon à me soigner là. Alors, oh, il a de l'armure, hein, le boss, hein, vous voyez que le bouclier qu'il a. Ouais, j'ai vu.
J'ai vu. Le premier truc que j'ai fait, c'est attire personne, c'est pour ceux qui a pris les 6. Alors attends, qu'est-ce que j'ai? Récupérer 15 PV. Bon, bah j'ai pas vraiment chaud. Bon, l'avantage quand tu utilises un objet, tu n'es pas obligé de. De zapper ton tour. On peut le faire. Attends, t'es plus confus toi? Oh merde. Ouh, le saga il brûle. Alors entre moi qui saigne et lui qui brûle, punaise, ambiance barbecue. Non, c'est ça. Oh non, je tombe. Ah pourtant je t'ai encouragé. Oh, hein. Le saignement à 8. Non mais s'il te plaît là. Aide-moi. Heureusement qu'il y a l'archer. C'est lui le vrai héros. Ah ouais, punaise. Ouh, ce blocage. Oui. Le la parade. Je vais entamer celui à 11. Punaise, c'est quoi ces jets parfaits là? On m'a dit que c'était l'archer Léo. Oh, dommage. Du commentateur d'Unreal Tournament. Tire à la tête. Ou les skills. L'autre il brûle, il saigne en même temps. Ah je brûle, je sais. Ouais. Attends, mes couilles là. Tiens, allez, bim. L'argent on partage. Un manuscrit rare et lui, si lui, le jeu peut être utilisé pour dévoiler des secrets dans tout le pays. Ouais, il y en a deux. Alors par contre niveau PO, ouais. Ah moi écoute, j'ai déjà mis partagé. Ah ça c'est pas pour moi. Je peux le récupérer? Moi je passe parce que ça sert à rien. Oh là là, ça c'est gars. Ça c'est gars ça. C'est l'équipe. Vigilance 3. Plus 3 en vigilance. Soit l'archer, ouais. Donc J'équipe. Merci d'avoir affronté ces tordus au chapeau pointu. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas fini. Mais. Ok. Tordus au chapeau pointu. C'est qui faisait la reine là? Ah, le chaos. Oh, il a reculé. Moi, hein, le chaos. Qui sait, vous avez peut-être fait quelque chose de particulier. J'ai réussi à ouvrir les mines scintillantes. Allez-y dès que possible. Ouais, bah ça, on va se remettre d'aplomb, peut-être s'entraîner un peu, passer à niveau parce que. Chaud. Je crois qu'on va surtout aller à l'auberge pour vous soigner. Ah ouais, je me doute. Oh, et si vous avez le temps, j'ai perdu une caisse de provisions dont j'ai désespérément besoin pour mener à bien mes obligations royales. Trouvez-la pour moi. Ouais, en gros, faut trouver ça vinasse, quoi. Par contre, moi, je n'ai plus d'objets, il me semble, pour me soigner. Qu'est-ce que j'ai? Je peux t'en donner. Sans niveau et quand on va dans son inventaire. Ah, mais j'en ai qu'un seul. Puis ça, c'est pareil, ça, je n'ai qu'un seul. Ouais, non. Je vais me rapprocher de toi, Cricri, je vais te donner un objet pour toi. Bah, du coup, je passe mon tour. Hein. Après, on peut se taper le loup hein, pour être safe aussi, hein, si tu veux. Hein. Après tout, ça fait l'XP gratos. Hein. C'est ça. Parce que là, je vais sûrement aller en ville et essayer de me reposer, moi. Ah, gros. Comment je fais pour donner des objets, du coup? C'est, tu vas dans Y inventaire, tu sélectionnes l'objet et normalement, il va te proposer de. Ah non, moi c'est pas mon tour. Ah, voilà. Donc, toi, t'es le joueur. Perdu. Non. Donne-le. Bah, pourquoi tu me donnes une pièce d'or? Je sais pas, c'était dans le truc. Je sais pas, ça s'est fait en même temps. Ah, d'accord. Ok. Donc en théorie. Ah, ouais, d'accord. J'ai pas eu, non.
Non, attends, attends, il y a une testicouille. J'ai bien sélectionné la barre de Dieu. Ah, voilà, donné. Voilà, on fait comme ça. Ah, bien. Ah ouais, effectivement. De toute façon, ouais, j'attends mon tour. Je pense qu'on va se faire le loup après en fight. Ouais, moi je dis fight le loup aussi, il a raison. Tu gagnes un peu d'XP. Par contre, comment je passe mon level? Ça se fait tout seul, je pense. Non, il a... Ça, le level, je crois que ça se fait tout seul. T'as pas... En fait, comme je disais, les compétences dépendent principalement de ton équipement. En fait, quand tu passes de niveau, tu augmentes tes PV, par exemple, les stats un peu globales, quoi. Oh putain, et lui, avec le bol que j'ai, lui, il va m'attaquer. Imagine, tu vois. Ah oui, on va être 2 PV symboliques. Ah non, il m'en veut. Écoute, mon cher, je vais te faire un petit alto. Merci pour le follow, Narablock. Narablock. Narablock, pardon. Merci. On partage. Pour les foulous. Bienvenue chez les Rédempteurs. Je vais la passer. Mais je vais la passer au rouquin. Je suis encore le faible du groupe. Je suis l'artiste incorrompu. Oh yeah. Donnez-moi un gilet jaune et je vous écris. Et je vous écris musique. Dis-toi que tu fais perdre des PV. Ah, bah du coup, je peux utiliser direct en plus. Ah, c'est bien ça. Ouais. Tu fais perdre des PV aux ennemis en jouant de la grade. Donc, c'est pas que t'es un artiste incompris, c'est que t'es un mauvais joueur. C'est ça que mauvais joueur de grade, ouais. Alors on peut retourner oui, en ville. Tu peux hein. passer une nuit à l'auberge. Je suis pas allé en ville passer un truc à l'auberge. Il manque un déplacement. Ouais. Alors moi je vais. Oh. Moi je vais aller. Ah putain, c'est un camp là, c'est pas c'est mauvais plan. Il y a un campement, ouais, là je vois. Quelque chose d'inconnu, et je suis à côté d'un perroquet. Niveau 2 par contre. Oui, l'oiseau machin de sang là. Ouais. Et il y en a plusieurs. Ah ouais, c'est vrai que toi tu peux le voir toi. C'est pas comme le loup. Ouais. Bah attends, je vais aller à Bourram moi déjà pour commencer. Il y a des quêtes annexes. Alors en service, qu'est-ce qu'on a? J'ai une auberge. Donc pour rendre 5 points de vie. On peut méditer pour gagner nos points de concentration. Guérisseur, c'est points de vie et nous enlever nos allitérations d'état. Style, parce que faire attention les allitérations d'état, certains restent après, comme les certaines malédictions. Ouais. Donc c'est pour ça que t'as le bénédiction d'ailleurs pour 9 PO. Mais c'est pas ça que je veux, c'était le marché. Voilà. Ah, je peux acheter une pipe! Elle fait par un Gandalf. Un magicien arrive à l'heure où il doit arriver, il fait pas chier. Après, j'ai dit. En tant que ministre, je sais pas si je te catégorise dans les magiciens. Ouais. Alors, l'avantage d'une pipe, en fait, c'est la pipe, l'avantage, c'est quand vous allez prendre des plantes ou quoi, ça va améliorer votre régène. En fonction de ça. Et barbe bleue, par exemple, barbe de Dieu, ça c'est plus 30 PV. Ouais. Le Panax va retirer 2 jets de poison, j'imagine. En fait, c'est mieux. Et vu que je vais m'en prendre plein la gueule, honnêtement, je vais me la prendre. Acheter et équiper. Et ce sera tout. Et en quête annexe, qu'est-ce qu'on a? Prime, récompense, réduction du chaos, livraison d'un objet. Prime, donc j'imagine de tuer des gens pour de l'or et récupération XP de groupe. Vous voulez que je prenne quoi? Attends deux secondes. T'as quoi? Réduction du chaos, on n'en a pas. Donc pour nous c'est pas intéressant. Ouais. Oui. Un objet, donc là c'est full aléatoire. Ouais. De l'or. Ouais. Ou de l'XP. XP de groupe je pense. Ouais, on prend l'XP. XP. Aidez-moi s'il vous plaît, mon mari n'a pas donné signe de vie depuis des semaines et a été aperçu pour la dernière fois près de Héros en pierre. Quiconque voyagera jusqu'à Héros en pierre et reviendra à Bourab avec des nouvelles de lui recevra une récompense. Prendre le parchemin scellé dans Héros en pierre, c'est. C'est tout à gauche, je dirais. Héros en pierre. Oui, oui. C'est juste au-dessus de la pente carnivore et à gauche de.
du camp. Ouais, c'est là, ouais. Voilà, c'est là. Donc éventuellement, mis à part si vous avez des objets moi, je peux y à aller. Acheter, bah envoyez de 100 parce que t'as les objets qu'il y a de l'autre côté. Mmh. J'ai encore 2 points de mouvement, donc au pire, moi, tu sais, je fais ça. Et, ouais. Bah j'ai fini mon tour. En fait, c'est bien aspiration, je donne des points d'XP, moi. C'est... Ah, j'ai mes... Regarde, j'ai mes 5G, je vais aller directement au... Voilà. Par contre, t'as oui, du... Remplir. J'espère que tu te feras pas trop niquer. Normalement, toi, tu peux fuir assez aisément, donc en limite, on peut t'envoyer là-bas, c'est pas gênant. Parchemin scellé. Mais est-ce que c'est... Ouais, normalement, c'est à toi à rentrer, hein, parce que sinon, c'est les gars, ils y votent. C'est... Oh, je suis juste à côté. Alors, il est marqué Matimus Barius sur une plaque. Où est le pantalon de cet homme? Ouais, j'avoue. Ce kilt. Les requiers remplissent la concentration d'un personnage, donnent de l'XP. Vous pouvez leur donner 4 le tribut qu'une seule fois. Normalement. Osef. Donc du coup, maintenant, on peut aller à Bouram. Ah, essaye d'aller, ça, les gars, voir si ça rend la quête. La suite de la quête. Ah non, c'est donc c'est bien tout qui doit y aller. Oui, je dois y aller. Ouais. Bah, à la limite, on aurait pu aller se faire des mobs. Attends. Ché. Ouais. Ché. 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 Non, ça gueule, du coup, il fait ses courses. Voilà, le pépère du chien. Par contre, je vois pas la pipe que j'ai achetée du coup. Du coup, c'est toi qui dois y rentrer. Ouais, c'est moi qui dois aller au village. Ouais. Bah, je suis de l'autre façon. Je vais récupérer les points de ça. À la limite, si j'attaque lui, est-ce qu'il a des gens qui viennent l'aider? Ah non, bah, il y a un campement d'hommes bêtes, mais le problème c'est que Saiga n'est pas à côté malheureusement. Oui, Saiga il est pas porté du tout. Ah merde, dommage. Bah au pire je vais me foutre là. Et du coup je vais attendre. Ah, je peux même pas dire de... D'accord, j'ai perdu un point de dépassement en fait. Voilà. C'est autour de qui après là? C'est à Saiga. Au pire, Saiga il peut attaquer le campement. Ouais. Alors par contre, je me demande combien de temps le chaos met pour interagir. Je crois que c'est toutes les semaines, si je dis pas de bêtises. Bon allez, je passe mon tour. Décidément. Oh bah non, je l'ai même. Ouais. Ah, il a pas assez. Bah, je me mets déjà à côté, puis voilà. Oui. Ouais. Bon, au pire, ça va être à moi, je vais aggro. Hein. Aggro. Moi, je vais récupérer aggro. Ouais. Ouais. Ah, quoique, attends. Oh. Ah bah je vais essayer de faire les deux si je peux. Qui vient de pousser. Ouais, quelque chose de là. Oui, normalement tu peux, y'a pas de raison. Ouh. Pierre de ruine érodée. Enquêté. Ah, je peux pas utiliser de machin. Concentration. Bon, plus 4, ça va. Ouais. Level up. Alors, il est tout seul le mec à voir. Bah oui. Bon, y'a pas besoin d'embuscade vu qu'il est déjà de base tout seul. Y'a personne qui va le rejoindre donc on peut le combattre vanilla. Ah non, c'est un groupe avec. Ah d'accord, ok, j'aime bien, ils me montrent un seul mec, mais ils sont plusieurs, tu sais. Ah, un on fait 3. Ah oui, vois. Quand c'est un campement, à mon avis, tu dois avoir les 3. Est-ce qu'ils ont de l'armure? Comment on le fait? C'est simple, ils ont un petit bouclier. Là, y'a personne qui a d'armure.
part ça, ouais, il a raté son saignement. Pas comme moi. Pardon. Alors, putain. Utiliser la concentration. Donc, confusion. Je vais utiliser confusion sur AD2 parce que... Ah, merde. Raté. Ah oui, du coup, t'as plus les mêmes attaques avec ton épée. Non, il a plus les mêmes. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il a entaillé qu'il peut toucher deux mobs, je crois. Si j'ai pas de conneries. Non. Ah, bon bah, fais du focus. J'ai ignoré l'armure, saignement, attaque normale. Oh, vu les dégâts de saignement, infligeant. Hein. Oh la crache au cul! Au revoir. Saigné, mais dans la mort. Heureusement qu'il loupe cette attaque. Alors, bon, je retente la confusion. Voilà, ça, c'est bien. Peut-être essayer de finir sur le droit, quoi. Non, plus je l'encourage, cet homme. Je l'imagine qu'il s'emporte avec du Skrillex, tu sais. Bah, tu vois, toi aussi. Tu peux jouer. Je l'ai tué avec un dos. Bah on partage hein. La lance s'appelle pour toi tout deux. Si tu te sens incapable de gagner. Bon ouais. Est-ce que ça prend des yeux en jet de dés? Exact. Exact. 11 en dégâts physiques, ouais bah je vais équiper. Hein. Ah, la lance de fortune, elle est même pas aiguisée, c'est au bout. Ouais, c'est ça. C'est une lame carrée. Par contre du coup, on est tous niveau 1. Donc on a terminé, c'est bon. Oh bien, il va pouvoir rendre la quête. Du coup à toi. Ouais. Dix XP de groupe. Je reprends une quête du coup. Bah fais attention hein, parce qu'après il faut qu'il faut... on doit aller quand même fouiller la mine dans 17 tours. Ouais. Après tu peux prendre des quêtes hein, des quêtes pour de l'or ou quoi, ça peut être cool là aussi hein. Parce que l'or part très vite dans le jeu. Ouais. Le mec il s'est acheté des bottes. Il y a plus de quêtes disponibles dans cette ville. Ah. Et ben, bah du coup faudrait aller à Bois de Tuyer. Et encore, je suis même pas sûr qu'il y ait des quêtes à Bois de Tuyer. Il y a un point d'interrogation à côté. Ouais. On peut tuer la plante ? Oh, gueule. Tu peux éventuellement si je suis à portée. Moi, je vais pas y être. Il faut que je sois équipé d'un arc pour que le buff distance il passe. Et toi, tu y seras pas non plus. Ah, ouais, bah ouais, forcément. Ouais. Après tu peux tenter de passer tout seul hein, mais bon le problème c'est qu'il a un démoniste, il y a un démoniste homme bête. Ouais. À côté donc tu vas être un peu niqué. Ou alors on peut se faire les hommes bêtes en haut. Ah bah non, il y en avait deux, il n'y en a plus qu'un. Ah. Ouais, la harpie elle a des pop. Je suis pas à portée là. Bah ouais. Bon bah j'en profite. C'est ce que j'appelle un bon accord. Bon partage hein. Voilà. On a eu deux pieds au chacun. Ouais.
j'aimerais bien récupérer des points de vie, j'aurais pu l'appeler. C'est, il faut que tu ailles dans ton inventaire, mais tu récupères un peu par tour. Normalement, si. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ça? Bois de tuyer, il n'y a pas l'air d'avoir de quête. Hein. Le revolve. Alors... Bois de tuyer, il n'y a pas de quête. Si. Mmh. J'ai pas de symbole. Ouais. Ah bah si, moi j'ai. Tu vois? Bois de tuyer, prime, réduction du chaos, livraison, objet, prime, or, récupération, expert group. Ah ouais, exact. Ah d'accord, c'est une quête par ville. Bah du coup... Bah je vais taper celui-là avec toi, puis après on part à gauche. Hein. Allez. Allez. Il a un d'armure, d'accord. Un d'armure magique. C'est un bouclier violet. Ah. Le bouclier physique est bleu. Non mais de toute façon, au pire, je m'en fous, il a qu'un d'armure, j'ai 12 ans de dégâts physiques. Bah sauf si tu te plantes. Eh hey, mon j'ai il est où mon j'ai enculé. Voilà, ça c'est du j'ai ma gueule. Voilà, et toi avec ta musique de merde, t'as réussi à le tuer quoi. J'imagine tellement la voisine qui arrive en disant hey. Oh, belle journée, 2 points. Bah du coup, je peux me mettre là pour le prochain. Ouais. Oula, t'as un perroquet. Donc là, c'est un mouet. Bah, je vais me foutre avec toi, puis on va attendre sa gueule pour... Bah après, autant qu'il déblaye ouais. À gauche, hein, donc au pire, mets-toi à gauche. Hein. Plus vers le gobelin, je veux dire. Bon, on va faire ça. Sinon, vous en pensez quoi? Du jeu? Ouais, j'aime bien, c'est cool. Moi je trouve que c'est sympa, moi je dis. Un RPG en style roguelike comme ça, parce qu'en plus je suis sûr que le jeu doit être compliqué sur la fin. Oh oui, très. Et encore du là coup, on est en apprenti. Hein. En fait, c'est pour ça que. Cet homme a payé un tribut. Bon, cet homme voulait ouais. L'XP. Oui. Ah ouais, c'est... Et... Tu disais, Sega, j'ai pas compris. Vous voulez faire la plante? Non, on va sur le gobelin, de toute façon, on sera la plante forcément à côté, vu qu'ils sont importés. Ça dépend, parce que je crois que la montagne, elle va cacher le, elle va cacher la vue. Alors je sais pas si ça cache la vue. Je récupère plus. Ça fait un moment que je récupère plus de PV partout. Ouais, c'est bizarre, parce que moi, j'en ai... Ah non, c'est... attends, c'est peut-être ma pipe qui fait ça. Ah ouais, mais je la vois pas ma pipe d'équipée. Putain. C'est pas grave, on peut avoir une capacité soutien à distance. Vas-y, bah aggro le gobelin. Ouais, je vais aggro le gobelin. Et si, plante, si, il prend le, la plante et. Oh bah nickel. On t'a tapé la plante. À moins que je l'isole, je peux tenter une embuscade pour l'isoler. Non, on fait le 2, soyons plus vite. Ah lui, il s'est pas fait chier, il a... En fait, son bâton, c'est un bouquin. Ah ouais, il a un bouquin au bout, ce quoi. Ah oui, mais c'est un mage. Drôle de... C'est un mage, ouais. Le truc. Ouais. Je pense plutôt à son casque qu'à un pot, mais... Ah ouais, la peau... Mais c'est pas, c'est oh, pas n'importe quel pot, c'est un pot prussien. C'est son pot de chambre en fait. Pot de chambre. Il le plante, tu sais. Voilà, ton bouquin ne te servira pas là où tu vas, fils de pute. Ouais, ça sert à. Donc là. T'as pour 4 PV quoi. Ah bon, ça va. Ouais, t'es sérieux, putain. J'ai mes règles. Ah non, t'es dégueulasse. T'as tellement tiré que ça fait des pétales de rose, s'il te plaît. Bon, partagé. Éponge de miel, un point de résistance permanent. Oh, c'est craqué ça.
Ouais. Après, c'est plus Seiga qui en a besoin. Mmh. 4 points de concentration. Ah ouais. Je serais tenté de la récupérer. Après, c'est vous qui voyez, hein. Non. Parce que moi, j'ai mon Ah, bonus de tu lises pipe. donc tu en as besoin. J'ai mon bonus de pipe, bande d'enculé! Alors, quête annexe. Il y en a, ouais, effectivement. On prendrait pas l'or pour changer? Ouais, Alors, un sac d'or qui pourra éliminer. À qui pourra éliminer le ours. Alors, j'adore le traduction. Le ours de guerre. Qui réside dans la vas-y. forêt sentinelle. On gagne 30 PO. Pas tant que ça. Ouais. Sinon. Ah, sinon, après, c'est 8 XP groupe, c'est pas grand chose. Et attends, un objet, c'est quoi? C'est un objet de mage, donc c'est pas la peine. Non, et puis après, c'est. Bon, on va prendre l'or, c'est le plus intéressant. Ouais. C'est son Oh, choix. bon, en plus, on est près de la mine, donc ça, c'est bien. Je vais juste regarder si j'ai encore des choses. Je suis tenté d'en acheter de la barbe de jeu quand même. Hein. Parce Ouais. qu'après, sinon, le loot, ça reste. C'est comme moi, j'ai, donc c'est débile. Bottes de pêche! Ah, les bottes de PQ, va! Deux résistances, deux esquives, c'est pas dégueulasse. Ouais. Ah, le bâton, on s'en bat les couilles. Putain, en fait, y a rien pour les. Non, je vais acheter une. Je vais acheter ça plutôt. Voilà. Et je vais finir mon tour. Limite, si t'as assez de mouvement, tu peux aller voir le point d'interrogation sur la route. Oh, nickel. Non! Oh putain, je dois y arriver. Oh merde, ça c'est con. C'est très con, même. Bah ouais, avec le stick, c'est pas possible quoi. Je vais faire ça au BMD, je crois. Ouais, même Pas toi, il sûr. récupère un PV partout, moi. Non, c'est mes bottes qui font ça. Bah, au pire, va à l'auberge si tu peux. Ça te. Je sais pas si ça t'immobilise le tour, par contre. Bah, je pense, hein. Il m'a dit la pipe, c'est toi la pipe qui permet de récupérer des PV? Moi, c'était la pipe, ouais. Moi, le plus 30 PV. Enfin, je crois, après, C'est lui. je vais peut-être me tromper, attends. Ouais. Attends, barbe dieu plus 30 PV. Ah non, je l'ai plus Soin non plus, la d'infusion compétence. E2. Régénération de santé, je l'ai plus. Ah non. Donc, je sais pas. Ah d'accord, mais oui. Barre de Dieu, bah oui, en fait les herbes qu'on a sur nous, en fait, il les fume avec la pipe. Tout le monde a une pipe, même moi j'en Oui. ai une. Ouais, tout le monde a la pipe, c'est ce que je disais. Pour ça, je peux te dire, on peut faire tous comme Gandalf. J'étais 9 PO la guérison. Ouais, bah là, limite, t'es même pas obligé de la prendre tout de suite, t'as encore plus de la moitié. Ouais, ça part vite. Ah, Yo. ça a passé son tour. Ok, alors je vais prendre le point d'interrogation. Alors, y'a quoi? Ces eaux sont terriblement profondes. Oh putain, si je fais un zéro, je suis mort! Ah, Et longe, là, longe. je ne peux pas utiliser de concentration. Donc en gros, j'ai une chance sur deux presque d'avoir de la merde, une chance d'avoir quelque chose de bien. Allez, go! Oh putain, va te Ouais, faire, pas trop tôt. oh putain, va te faire mettre. Hé. C'est putain l'aléatoire, ma bite, ouais. Bon. Du coup, comme c'est la nuit, j'ai l'impression que les monstres sont un peu plus balèzes. Oui. Ouais.
Ouais, il y a Ah non, d'accord, ok. Juste en dessous. J'ai pas vu. Mais regardez en haut, vous avez en fait le cadran de la journée. Là, on est en pleine nuit. Et regardez le lendemain, vous avez une petite tête de mort. Il y aura un point de KO qui va être généré. Ouais. Ouais, il y a quoi à faire là-dedans? Parce qu'au marché, il y a rien qui m'intéresse. Bah, passe au sud et écrase le labébène avec Saigo, Pierre. Puis t'as plus de sous, il te reste 9 PO. Non, mais 9 PO, c'est pas grand chose. Ah, si, je peux bien vous aider, moi. Hmm. Ah, par contre, il a. Ah, ouais, mais merde, on pourra pas passer en dessous. Regarde, en fait, on est sur la côte. Hmm. Essaye une embuscade, parce que la bestiole verte, c'est casse-couille, ouais. Ça en pose un. Allez! Ah bah non, il prend que lui. Oui, oui, embuscade en fait, c'est ça, c'est à isoler. Ah, ok. Bah, et accessoirement, toi, t'as gagné un tour aussi. Ah ouais, je sais. Attends, j'enfonce. Alors, on partage. Talisman toxique, immunité au poison. C'est sympa, ça. Vaut mieux que ce soit Seiga, parce que moi je peux encore me soigner assez facilement. Oh putain, il y a des cubes verts partout. Oui, de la gelée. Bah il va devoir niquer celle qui est devant parce qu'il nous bloque la route. Mmh. Ah ouais mais normalement tu nous as non? Je vois pas le cercle en fait. Toi je suis pas sûr. Ah moi je me vois cercle, je vois pas le cercle par rapport à tout à l'heure. Ah si c'est bon. Ah ouais mais putain il a pris les deux. Ah ça a piqué. J'ai pas de scan. Ah oui c'est vrai toi tu peux pas putain. Ouais, on focus un hein, parce que il peut faire du poison de groupe, hein, c'est ça qui casse couille. Mmh. J'ai pas mieux. Ça va, j'ai un deuxième tour. J'ai un deuxième tour. Vrai, si allez. Je retente une attaque des stocks puissantes. Ah, et aussi, passe. Oui, tant que j'y suis. En dessous des portraits des monstres, vous avez leur faiblesse ou leur résistance. Ouais. Ouf, putain, moi je l'ai esquivé, mais. Ah, moi je l'ai. Alors, moi je me suis pris une faciale mentholée, mon gars. Ouais. Là par exemple, vous pouvez pas le saigner, il résiste à l'électricité et il ne peut pas être confus. Ouais. De toute façon, saigner un blob, j'ai même pas essayé. J'ai... Là non, c'est en fait, tu veux le saigner, en fait, tu l'étales plutôt sur ta tartine, quoi, tu sais. Ce Saigot qui a foutu un crit de compétition. Moi de force. C'est pour toi ça, Chris. Ouais. Ouais. Ça me fait chier, mais bon. Si ça augmente la telle, ouais. Je suis pas mago. Merde, mais... c'est moi qui, d'accord. Passé. Bah, je vais l'équiper. Attends, je regarde mes attributs quand même. Je peux pas le voir d'ici. Ah si, je peux le voir d'ici. Non. J'ai 72 de base d'intel. Ouais, c'est moi le plus intelligent, donc ouais, vaut mieux que je le prenne pour réussir encore mieux mes jets. Laisse-le pour Saiga parce que c'est le plus lent. Mais je crois que j'en ai un de toute façon. J'en ai déjà. Ah par contre, ouais, je suis empoisonné, il va falloir que j'achète vite fait un truc au passage, putain. Par contre, il y a un truc à faire sur le. Ouais, sur... là-dessus, là, sur la potence. Qu'est-ce qu'il y a à faire ? Je l'ai pas vu tout à l'heure. Il y a un combat à faire. Ouais. Au niveau 2 et 2 acolytes. Donc, je tenterai pas. Mmh. Bon, on peut le faire après à 3.
Ouah, il y a un fantôme là. Ah ouais, c'est vrai que mon tour est passé, putain, fils de pute. Ah ouais, mais du coup, tu vas bouffer ton poison pour rien, quoi. Non, en fait, j'ai l'impression que le poison, tu l'as, mais pour tous les combats, en fait. C'est l'état par pas et s'active à tous les combats, quoi. Putain, du coup, je crois que t'as envie de l'enlever, toi. Ben, je vais devoir acheter un objet pour l'enlever, d'ailleurs, je vais regarder s'ils en ont. C'est pas ça, c'est pas ça. Ah, ils en ont pas, putain. T'as ouais, par contre, je vois qu'il y a un tromblon. Mauvais plan, tromblon. Et. Ouais, il passe sur la stade d'Athènes. Bah, c'est pas ça, c'est que le problème, c'est que tu vas perdre obligatoirement un tour sur deux à recharger. Ah ouais. Pour ça, je te dis que ça vaut pas le coup. Allez, je quitte la ville, je vais voir Saga, hop. Ouais, rejoins-moi. Oui. Deux PV. La potence. Vous pouvez passer au-dessus ou pas? Il y a un fantôme qui est apparu. La potence, oui. Hein. Mais c'est juste qu'en fait, elle va générer du... Elle va faire du fléau si on... Si on l'arrête pas, la potence. Ah oui, bien, c'est vrai. Je te propose de tuer le fantôme à côté. Ouais, vous êtes à portée. Oui. Ouais, c'est le fantôme. Par contre, est-ce que je vois votre combat? Oui. Oh, c'est bien, parce que sinon, j'allais me faire chier. Le fantôme de Liam Noten, le fantôme de Clayton Odell Coolwell. 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 5 points. Et c'est de en 2v2 sur PU. Ils sont immunisés à ces éléments ? Bah, c'est des fantômes, ces gars. Non, bâtard. Oh là là, le manque. Oh, comment t'as manqué de respect. Oui, il y a deux pop. Non, clairement, la lance c'est stylé. Vas-y, bah, entame-le, je devrais réussir à finir. Oh bah plus pire même. Même si je rate un dé, ça passe. Voilà. Ces gars, il XP tellement comme un gros porc qu'il passe déjà niveau 2 quoi. Ouais, il est déjà passé niveau 2, ouais. C'est parce que j'ai payé mon tribut de... Ah oui, c'est vrai. Ouais, aussi, ouais. Après, vous pouvez vous placer, hein. Pire, ces gars, ils se placent en dessous. Hein. Ouais, voilà. Bah, normalement, tu devrais pouvoir bouger. Alors attends, c'est quoi ça? Rencontre. Ok. Ah oui, mais... Attends, est-ce que je peux aller là pour me soigner éventuellement? Marcher. Non, service. Pour des rencontres chaudes de ta région. guérisseur, ça le fait, ça va. Bon, c'est 9 PO, mais bon. Ouais, ouais. Ah ouais, 9 PO quand même. Au pic. Alors on peut tenter là, je suis fou. Ah normalement, on devrait tenter. Ouais. Eh hey, c'est quoi ça? De quoi? Ruines anciennes, testez-vous. Et ça réclame de la vue. Tu pourras essayer, c'est ça va, ça demande de la vue. Ouais, je vais tenter, ouais. Par contre, eh ça devient chaud la nuit, putain. Heureusement qu'on a que 4 ans la nuit. Alors, 6 XP, 3 XP, moins 6 XP. Eh, ça va, t'as une chance sur deux, un peu plus, d'avoir 6 XP, quoi. J'ai envie de dire, ça va. Ouais. Le 0, c'est impossible pour toi. Oh la terme. Prends pas de risque. Prends de risque. On tente le combat, du coup. Ouais, allez. Le bourreau, fléau de Farul. Ah, des bandits sans foi qui s'en prennent aux faibles. Votre peine sera la mort. Une mort très pénible. Nous, on vole que les cadavres. C'est ça.
Bon, le principe, c'est que les gens, avant qu'on les... Ouais, mais il a 40... T'aurais peut-être dû niquer les âmes, parce que t'as vu les nombres de ouais, bébés non, qu'il non, a non, non. J'ai vu, mais après. Oh merde. Par contre, toi, tu vas morfler. Ouch. Attends, est-ce que je peux te soigner éventuellement? Ouais, si, faut niquer les fantômes avant. Ah, sinon, je vais me soigner, hein. J'ai de la barbe du... Puis je peux... Ah ouais, puis en plus, je peux... Y'a personne qui peut être confus, hein, donc... Je vais niquer là ma servie à droite, hein. Ou pas. Putain, c'est quoi ce jeu de merde, quoi. Hein? Oh putain! Oh là là! Ah oh, mais je me suis fait démembrer! Malédiction de ah ouais quand même. Ah bon, je suis aveugle. Aveugle man. Bon, je peux tenter de te ranimer. Écoute, ah ça commence mal. Ah j'ai eu un succès, médecin de terrain. Ressusciter un membre de l'équipe. Ouais, bon, c'est pas, je me suis fait raise mais ça passe. Boulet de terrain. C'est ça. Oui, j'avais oublié tout à l'heure que c'était gâchette de droite pour changer de cible. Ah, c'est pas grave. Oh la vache, putain, mais c'est quoi ce jeu? Putain, ce jet parfait de merde là! Ah, m'a servi. Ah, 2 PV. Je vais finir. Je réfléchis. Ah, ça, j'ai quand même 83%. Pas mal. Allez, tout sur le bourreau. Au pire, utilise un point de concentration hein, si tu veux réussir. Aïe, 2 PV. Oh la vache, le taux PV, c'est. Ah, mais non, j'ai 80% de chance de réussir quand même. Putain, puis en plus je peux pas provoquer, moi je peux rien faire, attends. Je réfléchis. Oh bah attaque normalement hein. Oui. Il reste encore Saiga et moi attaquer derrière. La potence a été scellée. Ouais, niveau 2. Alors, livre de savoir, ça c'est pour débloquer hein, les autres classes et quelques trucs. Oh, ouais. Un artefact. Alors, 10% de chance de coup critique. Bon, bah c'est égal. 5% de dégâts contre les morts vivants, 18 vitalité. Immunisé à la marque mortelle. Vas-y. C'est égal. Allez, pas du j'ai vendu. Oh, oh, je suis magnifique. Oh, il est beau. Oh, ouais. Oh, le. Oh, il est sexe. Ouais. Oh, ouais. Je suis pas trop beau. Par contre, on a cramé une vie du coup, vous voyez en haut le compteur il a baissé. J'ai perdu du coup, c'est le tour de Saiga, c'est-à-dire si j'ai l'impression que c'est le tour du bourreau quoi. Ouais, c'est ça. On part pour le donjon ou pas? Ouais. Ok. Je fais le truc juste à côté, puis on va. Je m'en rends jusque là, pas plus loin. Bah tu peux te mettre à côté du donjon, Pierre. Ouais. On va essayer de te rejoindre, parce que je sais plus si t'as une option pour... J'ai peur, il fait faire le tour. Je sais plus si tu peux rentrer tout d'un coup ou si tu es obligé d'être à côté. Non, je peux pas. Ah, t'as plus de points de mouvement. Ouais. Ah, y'a un point. Y'a le point. Non, attends, je peux utiliser de la concentration. Putain, et 46% d'emploi. Dans... Ouais, tant pis. Ouah. Ne pas confondre avec leur équivalent vénéneux. Hein. Les champignons. Ces champignons sont sans danger. Ah, et putain. Voilà. Oh, sérieux? Là, j'en ai eu deux, la classe. Par contre, j'ai plus un seul point de concentration, c'est pas le bon plan.
J'aimerais à tout bout de... Ou alors, si vous êtes assez fort à deux, faites-vous l'ours. Non, c'est un boss, on va faire un 3. Hein. Ah non, pas en plus pour... En plus pour l'XP et tout, non, vous me mettez en 3. Sanctuaire de la vitesse, plus 2 en mouvement. Oh. 30 PV, c'est pas ça. Quoi, point de concentration, c'est pas mal. Je vais peut-être utiliser ça, moi, avant d'aller dans le donjon. Ouais, mais du coup, j'ai rien à faire, en fait. Ouais, malheureusement, ouais, c'est un peu ça. Ok, sans bouger, je récupère des PV. Faut pas que je bouge, en fait. Alors, j'ai 5 pas de mouvement. Alors, on commence par quoi? Parce que limite, je pourrais faire les deux. Ah non, je peux faire qu'un seul. Bah, on fait le boss. On fait le boss avant de rentrer dans la grotte. Ok. On fait le nounours de guerre. Ok, alors je vais me placer. La peluche de combat. Je vais me placer juste là. Pourquoi je peux pas? Ah non, je peux pas. Ah bah non, bah ce sera au prochain tour. Donc au pire, je vais me mettre avec Saiga. Parce que la mine, je peux y aller, mais le nounours, je peux pas. Ouais, ah, mets-toi avec Saiga. Ouais, tu seras là pour le combat. Ouais. Je serai là pour le combat et du coup je regardais un truc. Ouais, moi je vais le déclencher. Je vais consommer ça. Et par contre ça c'est dit juste voilà. À ne pas confondre avec le. Je sais pas si ça. Ah non, je peux juste le donner. Peut-être à vendre ça. C'est pour les champignons. Puis les champignons. Bon, bah j'enclenche le combat du coup. Ouais. Avec du bol on pourra même entamer le donjon. En espérant qu'on n'ait pas trop morflé. Putain, et l'ours de guerre, il est Tomahawk, ma gueule! Non, je suis combattre, ça. Non, discrétion. C'est pour passer. C'est pour passer derrière. Pour passer derrière. C'est en gros, t'es. Tu combats pas, quoi, en fait. Comme ça, j'ai gagné un tour. Je parle d'un boss. Ouais, bon. J'avoue. Ouais, j'avoue, hein, paye ton boss, hein, enculé. Hein. Oh putain, 30 PO. Ah bah oui, on a eu la récompense. Grimoire brûlé. À part à vendre, je vois pas ce qu'on peut faire. Après, je pourrais. Enfin, honnêtement, hein, je vais pas vous mentir, je pourrais le mettre hein, si je voulais. Ouais, ça prend sur l'intel. Ouais, j'ai 78 d'intel. Mais derrière, après, j'ai plus la compétence de vous soutenir par contre. Et on gagne moins d'heures. Parce que j'ai pas vu, on a un multiplicateur quand on a un instrument de musique. Ah. Mais je ferais plus mal. Non, mais là, à vendre. Bah, vendre du coup, bah je vais le prendre du coup, comme ça je le vendrai. Pierre, je vous redonnerai. Je vous donnerai le tiers. Bon, bah vas-y, hein. Ouais. Gros donjon alors. Hein. Entrez avec le groupe. Ouais, vous êtes à portée. Ah oh, putain, ils sont buffés, putain. Putain, elle a mis un buff. Putain, pute de fée. On va lui casser. Tu l'as. Tu navigues. C'est ça. Hey, listen. Ah, ça tape magie, putain. Vous avez... Sega, il va morfler par contre. Ah, je peux changer d'arme maintenant, du coup. Je peux les mettre confus éventuellement. Oui, vas-y. La harpie ou le gobelin? Le gobelin va être plus casse-couille. Hein. Ouais, fais le gobelin. Tout est il est immune. Non, il est pas immune, c'est pas marqué.
Ah d'accord, c'était la protection de la fée qui faisait ça, putain. Ouais. Et tu l'as tuning, Marab. Pétillé. Ouais, si tu veux. Il voulait transformer en bouteille de coca, tu sais. Ouais, j'ai fait sauter le boubou. Ouais, en fait, je fais sauter le boubou. Vas-y, le bureau, fais ton office. Ouais, franchement, ça va. Hein. Il y a trois combats à voir, ou deux. Ah non, d'accord, t'as plusieurs niveaux. Oh, génial. Bâton de gobelin. Putain, encore un truc de mage. Au pire, quelqu'un d'autre le prend pour vendre, hein, si vous voulez. Je vais le récupérer. Oh, ça, je prends. Parce que moi, je peux me faire empoisonner la gueule. Pour guérir le poison, ouais. Le Panax. Le Panax. C'est comme le Xanax. J'ai récupéré un PV. C'est vrai que putain, ça fait limite truc de médoc. Prêt. Excusez-moi, je peux venir après. Piège du wagonnet. Alors. Je crois que c'est moi qui a les meilleurs stats pour ça. Ouais, pourquoi c'est moi qui dois. Ah, je peux faire passer. Ouais, bah je veux bien le faire. Normalement, je crois que j'ai un bonus aussi, avec mon perso pour les pièges. Ah! Alors, désactiver. Ah, ouais, quand même. Tu te fous de moi, j'avais plus de chance que toi. Je sais pas, ouais. Ça me paraît compliqué en fait. 5 dégâts de groupe. On va faire passer. Les enfants. Non, t'es sérieux? Heureusement, j'ai repris un peu de concentration. Hein. Ouais. Allez, je passe. Ouais, fais péter la gratte! Genre la musique qui désactive des pièges. C'est ça. C'est ça. Alors pourquoi je sais pas. C'est le lutte! Faites vos derniers préparatifs avant de continuer à appuyer sur prêt quand vous êtes mort. Je suis quasiment full life, moi je suis bon. Hein. Oh non, le blob. Ah, puis des magots en plus, putain, vous allez morfler. Putain. En plus, tu peux pas les. Tu peux pas les mettre confus. Je vais essayer de l'achever, mais droit, moi je vais faire moins mal avec sur eux. Mm-hmm. Ils ont 3 de résistance magique. Nickel. C'est pas ce. Ouais, puis t'as le perchant. Allez! Ouh, l'esquive! Oh, limite, il fera un dab! C'est ça. Oh! Bien joué. Putain, on leur roule dessus. Putain, étonnamment. Ah, là, tu récupères ta lance, tu vois. Le poison. Oh putain. Le poison. Et il dit, lui s'en fout, c'est les gars, il est immune. Je te rappelle. Mmh. Donc, fais quoi, genre ? Oh, je dois avoir un truc d'antipoison avec la pipe. Faut que t'aies la plante aussi. Alors, attends. Je crois que ça ira à personne, hein. Plus ça en armure, je crois qu'on a tous mis. Je sais pas moi ce qu'on a, donc je peux pas voir ce que j'ai. Ah, au pire, je récup et après je regarderai. Parce que ouais, moi, il me semble que j'ai des bottes pourries. Putain, je peux pas voir les tailler. Ah. C'est que je suis aveugle aussi, moi. Pour moi. Alors, dégâts magiques, ouais. Parce que la musique c'est magique. Oh putain, attends. Est-ce que je peux utiliser. Non, je peux pas encore utiliser mon truc. On peut utiliser l'objet là-dedans. Ah bah là c'est à ton tour. En fait je suis en attente de toi, savoir ce que tu fais. Ouais, en fait mon écran est très mal calé, je vois pas ce qui est écrit en dessous avec les touches. Tu as B changer de caméra plus d'infos, Y inventaire, RB maintenir attribut, LB attribut, voilà, marqué sur inventaire, c'est bon. Un point de concentration, casse PV.
Si c'était pas au voyage pour devenir indétectable. Oh, même toi, tu manques point de vie. Je sais pas si je peux te passer. Si, j'ai une barre de. Ouais. Utiliser ça et puis ça ira en attendant. Ce que j'ai comme boîte. Non, tu le verras pas ici. Faudra quitter la mer. En fait, c'est un peu court, mais il faudrait quitter Plus un à la la. mer, plus un en résistance. Non, c'est de la merde de ce que t'avais. Ah, ok. Bah, si tu le vois, tant mieux. Ouais, c'est des bottes plus ça d'armure, c'est des bottes de base en fait. Enfin, même moins bien que de base. Moi, j'ai des vieilles bottes. Alors, moi, j'utilise le Panax. Ah oui, effectivement, oui, c'était naze. Effectivement. Donc, bah moi, écoute, je suis prêt. Essaye de buter Gobla si t'as... Ah, putain, le poison, il te fait chier sur tes G. Ah, oh, putain. 83% à 9 pour la vieille. Je peux essayer de la one shot, elle. Nickel. Oh, puis le crit. Oh, le crit. Elle Il a fait convulse il lui a même. fait exploser les tapas. J'ai tellement mal joué, je l'ai fait convulser, tu sais. C'est ça. Résistance, dégâts magiques, Pour concentration moi. max. Ouais. Et j'ai déjà un équipement au coup, moi. Bon, ça, en fait, je perds que 2 PV du fait que j'ai rien de récup. Ah, Oh, le coffre. coffre! Ah, ces gars vont se jeter dessus, c'est... Oh, nickel. Crée un portail magique entre votre aide et destination de votre choix dans un rayon donné. Déterminé par l'intelligence. Bon, bah, c'est pour Bibi, alors. Ouais. Un deuxième? Bah, soit vous me les deux tous les deux, soit C'est quelqu'un d'autre passé. en prend un. Hein. Bon, bah, ok. Moi j'ai passé. Ok. Est-ce que tu veux que je te passe éventuellement une herbe? Tous deux. Si t'as un truc C'est bon, les deux anti-poison, passés. ouais. J'ai pas anti-poison, mais je peux te donner Ouais, quelque bah non, c'est chose. bon, je suis plus empoisonné, non, c'est Ah! bon. Bah, je voulais te trouver un Bon, truc pour ça prendre ira. de la vie, mais si, toi qui vois après. Moi, non, c'est bon. Bon, bah, go. Niveau suivant. Attends. Faites vos derniers préparatifs. Et on peut faire un repos. Ah oui, mais d'accord, ça va utiliser ma tente. Bah, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous voulez vous reposer? Ouais, vas-y, tant qu'à faire. On sait jamais ce qui nous attend en dessous. Ça fait de l'XP. Utiliser pour créer un campement, tous les Bah, tu t'en fous, membres, je vais te claquer le ouais, mien. bah On en a non. un chacun. Ouais, bah oui. Si tu sais, dormir dans une tente, ça me fait de l'XP, j'adore. Ouh, son niveau 2 là Oh, par contre. anarchie. Anarchie en os. Commencer par lui. Oh, ça va, ils ont pas l'air de faire très mal. Ouais, il a raté un G. Sinon, il t'aurait mis quoi 4? Déjà, je Ouf! connais déjà un peu plus. Ouais. Non, mais oh! Aïe 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 aïe. Putain, je suis Charlie, bande d'enculés! Ah, par J'ai contre, une armure. le soldat d'os, ils ont d'armure et pilote aussi. Enfin, ils ont 4 d'armure. Oh, ouais, putain, ils sont. C'est Ouais, limite toi moi ça qui va, t'as va le faire plus perso. mal. Ouais, t'as le perso en fait. Nickel.
ça pique. Essaye de le faire saigner, ça, gars. Mais non, c'est peut-être. Fais saigner ses os. Fais saigner son calcium. Oh putain. Oh, le crit. Oh, le crit de bourrin. Crochet. Utilise ça pour ouvrir la plupart des cadenas. Je le laisserai à tous. Un arc en os. Ouh. Oh, pas dégueulasse. Ouh. Ouais, plus 3 en esquive, dégâts contre humanoïde, compétence, soutien à distance. Ah. Bon, il fait moins mal que ma lance. Un point de dégâts en point. Ouais, mais t'es quand même à distance. T'as 25% pour les humanoïdes et 3 pour les esquives. D'ailleurs, c'est égal, lui, sur les morts vivants, il va faire mal. Il avait un bonus, lui, avec son masque. Je crois, ouais. Ah bah c'est ça les 23 de dégâts alors en une attaque. Ok, il y a... Ça va chier. Je vais tester mon arc. Attends, c'est les gars, t'as vu le nom? Recru Merling. On sait très bien que c'est un Murloc. C'est un Murloc. Ah ouais, en effet, ouais. Là, je te vois bien mettre ça en son En effet. Quoi. Joli. Nice. Oui. D'ailleurs, le Murloc, là, c'est considéré comme un humanoïde aussi. J'ai un bonus. Je vais essayer de niquer la chauve-souris. Ah, putain, non. Fais chier. Dommage. J'avais que 7%. Fait. Ah ouais, bientôt il va falloir que je me soigne, putain. Ouais non, franchement t'as bien fait de prendre l'arc. Hein. Ouais. Et là tu me fais un parfait, putain. Foutage de gueule. Partager. Un bocle, ouais, c'est pour ça gars ça. Ouais, mais alors, quand il peut pas comparer. Au pire il le prend qui vient, putain. Moi, je vais quand même utiliser une herbe parce que j'ai pris quand même tarif. Ah, un marchand. Putain, quelle idée d'ouvrir un magasin dans un donjon. Ah, vous savez, les aventuriers, ça va, ça vient. Ça rend sa sœur, comme on dit. Ouais. Bah dans Nullbuck il y avait un bar à un moment dans le donjon. C'est vrai. Bah écoute, après j'ai des trucs à vendre et éventuellement s'ils vendent des trucs à sympas ce serait cool. Et puis on est assez goldé là au niveau portefeuille. Chaussons de Kirby. Là, Ouais, un arc court. Tir de précision, clouage au sol. Ah, par contre, c'est gars, tes choses sont moins bien, mais effectif, t'as plus ouais. Aucune défense magique. Ah, par contre, t'es immune au saignement et t'es immune au gel, putain. Ouais, c'est pour ça que j'ai pris. Putain, et ce mec, ça devient une boîte de conserve, quoi. Franchement, ils ont pas la classe. Petite chose. Ils sont pas mes chaussons. Je vois une veste en cuir là. Est-ce que moi je peux l'équiper? Parce que j'ai rien d'équipé en fait de base. En armure de torse. Bah, tu vas-y, prends. Ah ouais. Non, non, parce que je me demande si j'avais pas. Par contre, je dis rien. Si, hey, si. Toud, t'es plus tanky que ces gars. J'avoue. Oh putain, ils vont sa chair 15 PO. Ah putain, bâton d'éclair, mais je suis pas mage, quoi. Ça, est-ce que je peux te vendre? Vendre pour 7 PO, ok.
Ouais, ah, putain, ta barre bleue, tu la vends, mais trop cher, mon gars. Ouais, non. Il y a. Ouais, non, qui ça, non. Oublie, passer. Ouais, dans les marchands, dans les donjons en général, sont plus chers que les vanillas entre guillemets. L'inflation, ça. Il paye son emplacement. Mmh. Oula! Porte en Résultat. pierre. Non, faut laisser faire ces gars. C'est des jets de force. Ouais. Oh. Culé. Et puis j'avais même pas la possibilité d'ajouter. Bah si, il vient de le faire. Non, mais j'ai cru que je pouvais pas. Ah, du coup, ça gueule, il a mis de la régène aussi. Un PV. Je sais pas si on arrive au boss là par contre. Ah non, Ça a une déjà tête de pas. boss, ça, pour moi. Prêtresse du chaos. Si. Personne ne saura jamais ce qui s'est passé. Seulement que votre misérable quête a échoué. C'est ça, ta voix de prêtresse, Ouais, c'est ce que j'allais dire. celle-là? C'est Putain, elle est niveau 4! prêtre homme. Ah la vache, oh, putain, je J'ai crame pas, tout j'ai cru direct! voir prêtre, du coup j'étais parti. Vraiment Ah, moi chieux. j'ai un dégât que contre elle. Bah vas-y hein, parce que clairement elle a que de l'armure magique, donc tu lui feras beaucoup plus mal. Ouais. Ah, je voulais taper les sacs grosses avant. Bah moi du coup je vais taper les squelettes. N'empêche, je roule bien. Aïe! Putain! Pour en plus, ça saigne, bien joué. Allez, terminé. Ça fait quoi, il reste de PV quoi. Trop confus, ça tue ça. Je sais pas ce que ça fait, confus. En fait. J'ai pas joué. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Bah si. Ça sert à quoi confus là? Je vais regarder dans le jeu, dans le glossaire du jeu. Oh putain, et je dois utiliser un objet quoi. Bon, on l'aura fini. Ah non, il attaque avant après. S'il attaque. Ouais. Inébranlable. Oh bah putain, s'il est pas branlable, putain. Hey. C'est ça. La flèche dans la bouche! Cet homme a la volonté de faire. Quarante-quatre pièces. Là, on est bien. Bon, si on récupère, c'est pour débloquer. Ça. Moi, on en a encore une chacun. Donc, au pire, après, c'est libre cours à vous, quoi. Le gourdin pour Saiga. Oh, fracassé et confusion. Plus 25% aux morts-vivants. Je passe, mais pour ces gars, c'est pas dégueulasse. J'ai même des dégâts là, c'est quoi? Il fait le plus de chances de concrétiser, c'est plus de vitesse. On est contre les morts-vivants ici, ouais, faut peut-être mieux que je l'équipe quoi. Ouais, au pire, tu changeras. Tu peux changer d'arme, tu sais, au cours du jeu. C'était encore au voyage pour obtenir 2 points de mouvement, utiliser le combo pour obtenir un point de vitesse. Bon, je vais la prendre. Alors, une Robe robe ex. d'apprenti. Ça va être pour Pour moi. moi. Oui, bah oui. Oh putain, ouais! Par contre, Immunité à la malédiction. immunité à la malédiction, j'avoue, c'est goldé. Ah bah du coup t'es plus malédictionné. T'es plus malédictionnable, plutôt, c'est le mec. Tes mots, quoi.
Alors déjà. Ouais. Alors, oh, bon bah vas-y. Hein. Donc j'étais inspiré. Voilà, je t'inspire, du coup je donne de l'XP. Puis là normalement, ça égale de râler. Et moi, tu m'inspires pas, connard. Ouais. Ouais, moi pareil, je vais t'en soigner. Alors, tu non, bah. Pas, ou... Moi je suis good. C'est moi le plus tanky du groupe et je suis celui qui prend le moins de dégâts, c'est chaud. Oh. C'est moi qui dois le faire. Bah ouais, bah il... Ouais. Là j'avais plus de chance. Ouais. 80 trous, non. Ah putain, c'est dur, c'est dur. Générateur de chaos. D'ailleurs, on est mort. Allez, voilà. Anna parti. Oh, ça brille. Purger les mines. Le gars s'est mis au moins deux en chaos. Ouais. Ouais. Oh putain, on doit aller là-bas. C'est quoi ce bazar? Ce que vous avez fait là-bas fait disparaître une énorme illusion sur la mer. Cette tour ne peut être qu'Arazuel, la porte d'entrée du sanctuaire du chaos. Je croyais qu'il ne s'agissait que d'un mythe. Ah, il manque un joueur. Vous avez dévoilé ma tour, mais vous ne savez pas comment l'atteindre, ni ce qu'elle présage. C'est ma voix d'inconnu. C'est ma voix d'inconnu. Eh Saga, fais ta voix, ta plus belle voix de Brooklyn. Vas-y. Alors. Sire. Alors, je sais pas. Ça sert à rien. Comment il y arrive aussi, vous faites les cons. Allez, Saga, tu peux le faire. Rendez-vous et mettez fin à cette folie avant que ma colère ne s'abatte sur vous. Cette voix. Mon dieu, cette voix! Cette voix? Hâtez-vous d'aller à Paride, dans les plaines dorées. Drea Palor, mon homologue en ces lieux, sera vous informer sur votre prochain plan. Non, c'est un homme. Ah là là. Non, Chris il faisait je sais plus quoi tout à l'heure. On va faire la femme chacun notre tour. Là du coup, il y a quête annexe, trouve et résoudre provisions égarées dans la forêt sentinelle. On a toujours pas trouvé la caisse hein, du mec hein. Ouais ouais. Après, attends, qu'est-ce qu'on a au sud? Là y'a quoi? Marina privée, sanctuaire de vitesse. Ah non, pas grand chose. La paille du culte qu'on a déjà fait. Et là, il y a la baie brumeuse achetée ou réparée des bateaux. Bah écoute, je vais me diriger vers le point d'interrogation. Fais donc. Et accessoirement en ville aussi, parce que j'ai des sous. Ouais. Ça y est, à la traîne. J'ai pas trop de déplacement, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Y'a pas de bol. Pas de bol. Le mec qui marchait avec les deux pieds cassés, c'est Krigaï. Par contre... Ah ouais, on a pas vraiment le... On sait pas où elle est la caisse en fait. Putain. C'est même pas précisé. Ouais. Ah Max, c'est les points d'interrogation qu'on a depuis tout à l'heure. Il y a un coq de crag, niveau 3. C'est chaud. Ah, on est niveau 2, quasiment 3, c'est vrai que là on peut se le permettre à la limite.
Ouais, bah puis on a poutré du niveau 4 tout à l'heure. Mais j'avoue que le boss, on l'a vite poutré. Enfin, surtout vous deux, là, vous l'avez vite poutré, hein. Waouh. J'ai un bonus anti-humanoïde, alors forcément. Non, moi je... Oui, passe ton tour, ouais. T'as oublié. Bon, moi je vais à Bourab au final. Parce que bizarrement, les, tu vois, les points d'interrogation ça me réussit pas, hein. Ouais, bah. Vous êtes tombé sur les provisions égarées. Ah, ah bah les blocs. J'espère qu'elles sont encore fraîches. Ouais. Caisse d'hydromel. On va arriver vide. Ah yes, une tente, j'en ai plus en plus. Ah bah nickel, bah comme ça ouais tu récupères. Ouais. Et je vais en ville. Et du coup on a fait la quête annexe. Et du coup c'est génial. Ouais. Ah on peut refaire une quête annexe, bah, moi, je vais... Ah il n'y en a plus. Ah, autant pour moi. Alors attends, marché. Alors je peux m'acheter la pipe en os. Bah après tout, j'ai pas de meilleur instrument. Hein. Puis bon, ça, je suis déjà très bien, donc on va acheter la pipe en os. Genre, oh putain, moins plus 40 sacs PV, panax poison moins 3, racine dorée plus 5 points de concentration. C'est bon ça. Et après, c'est la pipe du dragon. Le dragon. Pardon. Mais c'était ça le dragon? Pardon. Il crache du feu bizarre. Ouais. Ah putain, chaud. Vous êtes tombé sur une grotte sombre. Les mini-donjons sont courts, mais vous ne pouvez pas vous en échapper tant que vous ne les avez pas terminés. Hop. Oh, on savoir plus, c'est un dé de jeu, c'est un jeu de machin. Ouais. C'est pas l'interrogation qui me... Robe d'apprenti. Ah. C'est ce que j'ai. Je vais la récupérer. Et je vais remonter. Bon, j'ai dû avoir un truc, récupérer un objet ou un truc comme ça. Où est-ce que je suis? Attends, je suis à trait. Ah ouais, moi je suis aveuglé, je suis aveugle man. Putain. Putain, il peut pas. Oh la vache, ouais. La plante surprise. Ah, quoi. C'est une plante, putain, c'est une plante lapin crétin. Elle a des petites oreilles, c'est mignon. Bon, les il y a pas d'attention à côté. Ouais. Oh. Moi j'ai ça se tente. Bah forcément ça se tente. Faites une tribu pour recevoir concentration pleine et 24 points d'expérience. Ah je veux bien tenter ça, parce que j'ai déjà cramé 3. En plus points. si tu tentes maintenant vu que j'ai un arc je suis à portée. De toute façon je peux plus rien faire et puis au moins j'ai vu la zone. Oh putain c'est le bordel. Il y a 100 cuillères d'esquive en plus. Ouais. Ça va être pour moi, ça, je pense. Ça va être bon. It's my turn now. Moi, je dis, on tape le loup. Bah, vas-y. Je suis à portée. Un loup redoutable et niveau 2. Allez-y. Vous êtes tombé sur un appareil de culte. Chaque royaume contient un appareil de culte caché. Vous détruisez, vous avez le choix de réduire chaos, gagner une vie ou bannir un fléau. Ah. Ah bah faut pouvoir gagner. Ouais, bah je vais le casser. Et tu déclencheras un combat, je serai à portée de façon. Ok. Je suis à portée. Ah. Ouh, par contre, il y a deux loups si jamais on se le fait à deux. Donc essaye l'embuscade. Ouais, bah ouais. Dans ta gueule. Mange ma flèche. Oh punaise, oh. Ok, c'est fini quoi.
Elle a des oreilles de chat en plus. Kawaii. On a tapé une Furikat. Une Furikat Neko. Partager l'or. Un Omoro. Ah, pour Saiga ça. Ouais, mais je sais pas s'il peut. Je pense pas qu'il peut avoir le loot. Non. Bah, si, tu peux le récupérer et lui donner après. Ouais, au pire. Je peux faire ça. Je passerai. Défonce le loot. Morzis loot. Oh, tio. Ah. Ouais, mais mes jets sont pas terre-terre. Oh non, Saiga, elle est partie, elle sauvegarde automatiquement et peut être reprise par l'autre depuis le menu en ligne. Retour au menu principal. Ouais, le jeu a freeze et ça a déco Saiga, du coup ça nous a déco aussi. Ouais, mais on a ça, il y a la sauvegarde automatique qui a pris. Bon, j'arrive. Bah, de toute façon, je l'ai, on va arrêter. Ouais, si tu veux. Bon, c'est sympa à faire ensemble. Ouais, je sais pas, je. Et encore ça va, on n'est pas arrivé au coin les plus chiants quoi. Et puis on est qu'en début de game techniquement. Par contre le jeu il met tout noir. Ouais. Ah bah attends. Ah bah boutique du savoir, attends, est-ce que j'en ai débloqué? Ouais, j'en ai que 6. Marché nocturne, point d'intérêt, putain. Bassin envoûteur, les personnages, c'est. Ah la trappeuse c'est 10 points, le musicien de rue c'est 12 points, l'herboriste. 15 points, le buceron 18 points, putain. Même les armes et toi débloqué. Coiffe de princesse. Aux rencontres, entraîneur. Voilà. Ah, c'est sympa ça. Ah, j'ai 6 points de savoir. Je vais débloquer quelques trucs. Ouais, vous aussi, vous les débloquez. Mais en fait, c'est pour débloquer d'autres trucs en plus dans le jeu, quoi. Comme des rencontres, des nouvelles classes, des nouveaux objets aussi, quoi. Ouais. Attends, si je fais reprendre, il me remet. Ouais, c'est bon, il me remet tout. Machin, coop en ligne, machin, c'est bon. J'ai tout. Bon, on va arrêter là pour ce soir. Mais c'est sympa à faire ça de temps en temps. Ouais. Bon, en tout cas, merci à ceux qui sont venus d'avoir regardé. On vous souhaite une bonne fin de soirée. Puis on vous dit à la prochaine. Je sais pas ce qu'il y a prévu demain. Je pense que c'est foutrement rien. Je crois que c'est le Rime Royal que t'avais prévu. Ouais. Donc, sur ce, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. À la prochaine. Ciao, à la prochaine.